Chers amis, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, encore aujourd'hui, nous sommes là et nous allons ouvrir ta parole afin d'étudier la leçon d'école du sabbat. Comme toujours, nous avons besoin absolument de la présence et la puissance de ton esprit, car sans lui, nous sommes incapables de comprendre ta parole. Alors que tu puisses bénir ce moment, que tu bénisses ta parole entre nos mains et que tu nous gardes et que ce moment soit un moment magnifique pour nous. Je te remercie en Jésus pour ta gloire. Amen. Chers amis, je vous souhaite... À nouveau la bienvenue à ce moment de réflexion. Le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous recevoir et de passer ce moment de bonheur, de joie et de bénédiction avec vous. Que la paix du Seigneur donc repose sur vous. Notre sujet du jour, 2 éternité. Nous allons lire quelques textes pour commencer. Premièrement, 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Maintenant, Romains 14, 10 et 11. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Maintenant, Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Maintenant une question. Que dit ce verset sur la raison pour laquelle les méchants reviendront à la vie? Pour t'aider à répondre à cette question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur t'accompagne. Mes amis, pour résoudre le problème du péché, afin que le mal ne se reproduise plus jamais. Chacun devrait être convaincu que Dieu a été juste et équitable dans toutes ses voies. En fin de compte, tout genou fléchira et reconnaîtra la justice de Dieu dans le grand conflit. Et le fait qu'il n'y a jamais eu de justification et la rébellion contre Dieu, même Satan et ses mauvais anges reconnaîtront que Dieu est juste. Alléluia. Lisons la tragédie des siècles, page 589, 590, 591. Dès que les livres seront ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustices, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils voient exactement l'endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pure et de la sainteté. Ils comprennent jusqu'à quel point l'orgueil et la révolte les ont portés à violer la loi de Dieu. Les tentations caressées, les bénédictions détournées de leur but, les messagers de Dieu méprisés, les avertissements rejetés, les vagues de miséricorde refoulées, de leur cœurs obstinés et impénitents, tout cela leur apparaîtra comme écrit en lettres de feu. Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin, sous l'inculpation de crimes de haute trahison contre le gouvernement du ciel. Personne n'est là pour plaider en leur faveur. Ils sont sans excuse de la peine de la mort éternelle est prononcée contre eux. Fin de citation. Maintenant, lisons Apocalypse 20, verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Le psaume 37, verset 20. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Maintenant, Malachi 4, 1 et 2. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hôtels et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Maintenant, une question. Quel enseignement ces passages nous donnent-ils sur la destruction ultime du péché et des pécheurs et sur la récompense des justes? Là encore, pour t'aider à répondre à cette question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur t'accompagne. Mes amis, la bonne nouvelle est que Satan et ses mauvais anges seront détruits dans les temps de feu. Le péché et les pécheurs seront consumés. Selon Apocalypse 20, verset 9, ils seront dévorés, détruits et non éternellement tourmentés. Le verset qui suit utilise l'expression au siècle des siècles. Selon le contexte, l'expression au siècle des siècles signifie sans fin, mais jusqu'à ce que quelque chose soit complètement accompli. Donc, le feu existera tant qu'il y aura des choses à brûler, et ensuite s'arrêtera. Dans Jude 7, il est dit que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Tout porte donc à croire que les habitants de Sodome et Gomorre savaient très bien ce que l'Éternel attendait d'eux, mais n'en avaient tenu aucun compte. Le châtiment divin qui raya complètement de la carte de Sodome et Gomorre sert d'exemple frappant. C'est le cas de le dire, de ceux qui arrivent à ceux qui s'opposent à Dieu poursuivent avec insistance les penchants pervers de leur cœur mauvais. Donc nous voyons que Sodome et Gomorre, le texte dit un feu éternel, ô éternellement. Et pourtant, Sodome et Gomorre ont déjà disparu et il n'y a plus de feu. Alléluia. Dans 2 Pierre 2, 4 à 6, nous lisons « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de Ténèbres et les réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Donc pour les perdus, c'est la destruction elle-même qui est éternelle et non pas l'acte de détruire. Alléluia, je reprends mes amis. Pour les perdus, c'est la destruction elle-même qui est éternelle. C'est-à-dire qu'ils sont détruits éternellement, ils ne reviendront plus jamais devant la face de Dieu et non pas l'acte de détruire. Parce que ce feu ne va pas durer éternellement. La preuve, ce dont mes amis, Dieu n'est pas un Dieu qui tourmente éternellement. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. En fin de compte, deux éternités nous attendent. Malheureusement, les perdus recevront le salaire de leurs œuvres, la mort éternelle. Maintenant, une question. Pourquoi alors notre seul espoir de ne pas obtenir ce que nous méritons, c'est-à-dire la mort, se trouve-t-il dans la confiance en la justice de Jésus-Christ? Pour t'aider à répondre à cette question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur t'assiste. En conclusion, pour résoudre le problème du péché afin que le mal ne se reproduise plus jamais, chacun devrait être convaincu que Dieu a été juste et équitable dans toutes ses voies. En fin de compte, tout genou fléchira et reconnaîtra la justice de Dieu dans le grand conflit et le fait qu'il n'y a jamais eu de justification à la rébellion contre Dieu, même Satan ses mauvais anges. Reconnaissons que Dieu est juste. Alléluia. La bonne nouvelle est que Satan et ses mauvais anges seront détruits dans les temps de feu. Le péché et les pécheurs seront consumés. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous dis quelle sera la fin de la terre du péché, de l'auteur du péché, des anges et des méchants. Nous sommes tentés de te dire aujourd'hui de vraiment nous aider par ton esprit, d'insister auprès de nous, de mener ce combat de foi avec nous pour que nous puissions rester dans le salut que tu nous as donné en Jésus. Nous ne voulons pas avoir affaire à ce feu, ni à Satan et ses anges. Nous ne voulons pas faire partie de cela, loin de la Père éternel. Alors encore aujourd'hui, accorde-nous ta grâce, ton amour. Continue à nous supplier comme tu le fais afin que nous puissions nous ranger de ton côté et d'accepter totalement, pleinement le salut que tu nous donnes en Jésus. Alors, s'il te plaît, garde-nous ta paix. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions faire le bon choix au nom de Jésus. Continue ton œuvre en nous, s'il te plaît. Et que ton nom soit béni en nous, par nous, au nom de Jésus. Je t'ai prié pour ta gloire. Amen.